Moi, je voudrais parler de la guerre et un peu aussi de perspectives méditerranéennes. Buonasera a tutti, io vorrei parlare un po' della guerra e delle prospettive mediterranee. Je veux commencer par dire que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Iniziare dicendo che il capitalismo ha in sé la guerra, così come le nuvole hanno in sé la tempesta. Ça, c'est une célèbre phrase de Jean Jaurès. Elle n'est pas de moi, elle est célèbre. Et elle a continué à être vérifiée tout le long du. Parce qu'il l'a dit à la veille de la Première Guerre mondiale, mais elle s'est vérifiée durant toute l'histoire jusqu'à nos jours. Sì, non è una frase mia, ma una celebre citazione di Jean Jaurès, detta in occasione purtroppo dello scoppio della Prima Guerra Mondiale ed è purtroppo costantemente verificata fino ai giorni nostri. Donc, au fil des décennies, depuis la fin des années 70, avec la naissance du néolibéralisme, donc l'antimilitarisme, qui était normalement une tâche attachée à la gauche, elle a perdu de son éclat. Et peu de mouvements ou partis qui se disent de gauche aujourd'hui brandissent le mot d'ordre de l'antimilitarisme. Purtroppo durante gli anni, verso la fine, a partire dalla fine degli anni 70 soprattutto, l'antimilitarismo, la bandiera dell'antimilitarismo, che era soprattutto quella dei partiti di sinistra, ha perso ogni éclat, ogni lucentezza. E oggi è sempre più difficile trovare anche nei programmi dei partiti di sinistra appunto questa parola d'ordine proprio, quella dell'antimilitarismo. Et aujourd'hui, au contraire, les partis de gauche, pour la plupart, sont des va-t-en en guerre. Même les partis écologistes de vert, qui sont normalement pacifistes, aujourd'hui, ils sont pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je peux parler de mon expérience française durant la campagne électorale. On a vu tous ces gens-là, ils sont pour la guerre, pour l'armement. Ils ont cultivé un sentiment de phobie anti-russe inexplicable. Penso che sia chiaro, purtroppo oggi lo vediamo sotto i nostri occhi nel conflitto tra Ucraina e Russia, purtroppo soprattutto in Francia, anche il partito per esempio ecologista, molti sono per la guerra, per la difesa dei valori dell'Ucraina contro i russi, e è davvero difficile avere appunto una discussione anche critica e problematica su questa questione con i compagni stessi. Et bien sûr, l'OTAN, il est devenu un pacifiste et il a une mission civilisatrice dans le monde et Sì. démocratique. In effetti, perché poi Sì, appunto la NATO diventa quasi il portabandiera appunto di una missione civilizzatrice e pacifista, quindi un po' come giustamente gli Stati no. Uniti da sempre si sono fatti. Le philosophe Emmanuel Kant, qui est le maître de la logique dans le monde, il dit une phrase très jolie. Il dit que l'intelligence d'un individu, elle se mesure à la quantité d'incertitudes qu'on peut supporter. Emmanuel Kant, il filosofo appunto tedesco, diceva che l'intelligenza di un individuo in effetti si misura proprio nella capacità di tenere l'incertezza, la quantità di incertezza, appunto, poter saper confrontarsi con questa Et il faut dire variabile. qu'avec toute la médiatisation de la guerre, on a l'impression qu'on passe pour des idiots pour ces gens-là. E al contrario, sembra quasi che appunto attraverso poi la mediatizzazione della guerra tutti noi siamo dei poveri stupidi che abbiamo bisogno di rassicurazioni appunto da altre fonti, altri poteri, siamo incapaci appunto di confrontarci e di fare i conti con l'incertezza. Et il y a deux poids et deux mesures appliqués même sur les victimes. Donc, en Ukraine, il y a des victimes ukrainiens, blonds et avec des yeux bleus, etc. Mais les autres victimes du monde, qui en Irak
Au Yémen, il y a 18 millions de personnes, selon un rapport qui est sorti hier, qui sont menacées de mort de famine à cause de la guerre. Ovviamente il discorso dei media è lo stesso dappertutto, cioè sono due pesi e due misure anche per quanto riguarda le vittime dei civili, i bambini, insomma dei conflitti, quindi ci sono quelli appunto ucraini, biondi, con gli occhi azzurri, insomma, e che sono alla ribalta quasi delle luci, mentre invece dimentichiamo addirittura 18 milioni di persone, secondo un rapporto che è uscito ieri, di vittime della guerra nello Yemen. Yémen, ma anche appunto in Iraq. Mais il y a l'Irak, il y a la Libye, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a le Soudan. Donc il y a une série des États, une partie de l'Afghanistan. Conflitti. Il y a la guerre partout. Et il y a deux sortes de guerres. Il y a les guerres classiques, mais qui est encore plus dure. C'est les guerres des sanctions économiques qui sont pratiquées sur les peuples du monde. Et ce sont des sanctions qui tuent. Infatti, appunto, sono conflitti dimenticati e soprattutto anche due tipi di guerre. Le guerre classiche, ma anche quelle appunto che derivano dalle sanzioni economiche e che uccidono milioni di persone quotidianamente, ogni giorno, che forse sono quelle anche più dure. Je vais donner un petit exemple du Liban. Le Liban, mon pays d'origine, puisque moi je suis franco-libanaise, il traverse en ce moment une crise terrible, la plus dure de toute l'histoire peut-être de l'humanité. Et malgré ça, on a découvert sur les eaux maritimes qu'il y a du gaz au Liban. Les États-Unis, en ce moment, ils envoient un missionnaire pour convaincre le Liban de permettre de donner ce gaz, les champs de gaz, à Israël. Sì, ok, un esempio dal Libano, che è la mia terra, sono franco-libanese, che attraversa in questo momento una crisi terribile, umanitaria, forse una delle più dure della sua storia, e se ne parla pochissimo ovviamente, perlomeno nei media appunto classici, che cosa accade? Accade nelle zone marittime, hanno scoperto l'esistenza di giacimenti di gas e appunto gli americani hanno inviato dei missionari per poter convincere i libanesi, le autorità libanesi, a vendere questo gas agli israeliani. Oui, un chantage du genre que la Banque mondiale peut prêter au Liban de l'argent s'il cède une partie des puits de gas à Israël. Attraverso, per esempio, il fatto che vendendo una parte del gas, ovviamente a condizioni bassissime, irrisorie, a Israele, la Banca Mondiale può abbassare, appunto, può prestare dei soldi, appunto, finanziariamente, per aiutare il Libano. Et l'Europe, elle a d'ores et déjà dit qu'elle veut plus du gaz russe parce que les Russes sont criminels, mais elle veut bien du gaz qui vient d'Israël. Alors Israël, elle n'est pas criminelle, elle tue tous les jours, ça fait 2 mois, tous les jours il y a 2 jeunes à Jenin en Cisjordanie qu'on tue parce qu'on veut prévenir le terrorisme, pour prévenir le terrorisme. Donc Israël, ce n'est pas un pays criminel. Il y a la Russie qui est criminelle et Israël, c'est un pays, un oasis de démocratie. Sono vere guerre commerciali, in effetti l'Europa non vuole più appunto il gas dalla Russia, ma adesso lo richiede da Israele che, come sappiamo, appunto perpetua da anni uno stato di guerra contro appunto giovani palestinesi per prevenire il terrorismo. Et sans parler de que Gaza, elle est toujours sous le blocus économique et il y a toujours des gens qui meurent par manque d'eau, par manque d'alimentation, etc. Senza considerare ovviamente la striscia di Gaza e blocco continuo che impedisce qualsiasi tipo di godimento di diritti fondamentali, anche acqua, ovviamente rifornimenti di medicine, alimentari, che uccide una popolazione intera. Donc pour nous, le peuple du sud de la Méditerranée, qui ont enduré toutes sortes de guerres, il faut dénoncer toutes les guerres. Quindi i popoli a sud del Mediterraneo sono quelli che hanno vissuto e continuano a vivere sulla propria pelle ogni tipo di guerra e bisogna denunciare ad alta voce ogni giorno questa situazione. Donc,
Pour moi, aujourd'hui, comme vous le savez déjà, il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues en Avalanche. Il y a la G7, les BRICS à Kigali, il y a le sommet de l'OTAN à Madrid. Tous ces sommets-là, ils veulent faire un alignement de forces pour s'apprêter encore à la guerre. Donc, les pays non alignés et les pays africains, ils sont tous sollicités pour entrer dans cet alignement de forces pour préparer la guerre. Sono seguiti tutta una serie di summit, appunto G7, il BRICS a Pechino, per far sì che i paesi non allineati in qualche modo debbano per forza scegliere un campo, entrare appunto in una di queste parti per poter poi spartirsi, diciamo così, il bottino. À niveau énergétique et mondial, insomma. Donc, on assiste à une solidarité fondamentale du capital à l'échelle internationale derrière le projet hégémonique des États-Unis. C'è una sorta di solidarietà, appunto, capitalista, per poter portare avanti questo progetto, appunto, capitalista mondiale, il progetto egemone, diciamo, degli Stati Uniti. Donc les peuples ne pourront avancer face à ça, leur projet propre de progrès social et de démocratisation, que si en contrepoint ils parviennent à mettre en déroute le projet unipolaire de Washington et de l'Occident en général et à imposer une reconstruction d'un monde multipolaire. Quindi i popoli, soprattutto di quei paesi ancora non allineati, come i paesi per esempio africani, non potranno portare avanti il loro progetto di democratizzazione se non riescono appunto a contrastare questo pensiero egemone, questo progetto unipolare di Washington e quindi imporre la propria stessa ricostruzione di un mondo multipolare. Questo è il grande danger per l'Europa è che le pousse verso l'atlantismo e le produit. Le projet européen lui-même, il est devenu un volet du projet américain. L'Europe, elle n'existe plus dans ce projet militaire. Ormai la stessa Europa, appunto, non esiste più nel suo progetto anche di autonomia militare nei confronti degli Stati Uniti, ma è un vassallo, diciamo, degli Stati Uniti stessi. La question qui se pose pour nous qui sont là, est-ce que on peut espérer à une perspective dans la Méditerranée, au moins une perspective culturelle antimilitaire? La questione che si pone per noi qui è se nel Mediterraneo possiamo perlomeno sperare in un futuro, una prospettiva antimilitare. O perlomeno, scusami. Una formula che appunto possa. Avec un esprit qui concilie le respect de la souveraineté des peuples. E la democratizzazione delle società. A meno una formula che in qualche modo però si ricollega anche alle tradizioni stesse europee, quindi della sovranità dei popoli e dei diritti appunto fondamentali. Donc, à mon avis, il faut soutenir l'idée que la Méditerranée doit être un espace de pensée ouvert et dynamique et doit préserver une fonction civilisatrice anti-guerre. Quindi penso che il Mediterraneo deve rimanere uno spazio di pensiero e preservare una funzione civilizzatrice. Questa è la nostra sfida, noi nostra dei popoli mediterranei, compresi quelli europei. Victor Hugo dice una frase, il dice che la guerra è la guerra des hommes, ma noi dobbiamo développer la guerra des idées. Je pense qu'en Méditerranée, on peut au moins développer une guerre des idées. Quindi diventare uno spazio pubblico perché appunto si possa contrapporre alla guerra degli uomini, come diceva Victor Hugo, una guerra delle idee. E il Mediterraneo è sempre stato così, insomma, storicamente. Moi, non c'è. Le temps est fini. Okay. D'accord. Donc, je veux seulement rappeler quelques noms.
Lorsque j'ai rencontré Tonino Perna à Palermo, nous nous sommes mis d'accord pour faire quelque chose pour tous les auteurs, les personnalités qui ont aimé la Méditerranée et qui ont cru en la Méditerranée. Donc, on va se partager le travail et faire un travail avec Tonino. Par exemple, parler, je vous donne quelques noms seulement pour finir. Paul Valéry, par exemple, il a fait un travail magnifique sur la Méditerranée et il croit vraiment à la possibilité d'une Méditerranée plurielle et mobile. Il y a Amin Maalouf, l'auteur libanais qui a fait, il est très connu internationalement aussi, dont tous les héros de ce roman sont des Méditerranéens convaincus. Il y a en Égypte un écrivain très connu, une sorte de Molière du monde arabe qui s'appelle Taha Hussein, aussi qui a développé des idées méditerranéennes contre les dogmes religieux en Égypte, en parlant de la bibliothèque d'Alexandrie, etc. Il a fait une œuvre très magnifique. Il y a le fameux Jacques Berck, qui a écrit ses mémoires, les mémoires de deux rives, qui parle aussi de la Méditerranée et qui croit en la Méditerranée. Il y a Fethi Treiki, c'est un Tunisien, et il y a une fameuse femme palestinienne, écrivain, qui s'appelle Sahar Khalifa, qui a parlé des femmes et elle a dit que la Méditerranée, elle peut donner une perspective à la femme qui est autre que l'Occident colonisateur et autre que l'islam qui veut ramener la femme au Moyen-Âge. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient et qui espèrent que la Méditerranée, elle peut donner cette perspective multiple, civilisatrice, démocratique. Merci beaucoup. Quando ho incontrato a Palermo recentemente Tonino Perna, hanno avuto l'idea giustamente di recuperare quasi, comunque di valorizzare la ricchezza e la pluralità delle voci che si contrappongono anche al pensiero occidentale, insomma, egemone capitalista, che è proprio quello del Mediterraneo. Quindi ha citato tutta una serie di nomi di grandi autori, scrittori, da Paul Valéry, ovviamente, a Amin Maalouf, all'egiziano Karahsen, e a Jacques Berger e tanti altri, ed è questo appunto un progetto veramente interessantissimo perché fa parte proprio delle nostre radici, aggiungo, culturali, no? Quelle anche italiane, insomma, mediterranee e francofone soprattutto. Grazie.